Attendez mon signal pour sauter. Ne sautez pas trop tôt, compris? Bien. Vous voilà. J'ai besoin de votre aide. Que s'est-il passé? J'ai perdu le contact avec mon conseiller, Jekaya Ordo, pendant qu'il surveillait une livraison. Il y a eu des problèmes récemment. Certaines de nos missions d'escorte se sont fait attaquer. Je me rappelle que vous en avez parlé avec Liliwi. Oui. Jekaya essayait de débusquer ce groupe. On savait tous les deux que quelque chose de gros se préparait. On dirait que ça y est. Comment puis-je vous aider? Voilà ce que j'aime entendre. Jekaya commandait mon vaisseau amiral, l'Esprit de Vengeance 2. Il faut une flotte rien que pour ralentir cette bête. Qui que ce soit, ils étaient préparés. Vous savez, je m'attendais à ce qu'on me tire dessus. J'attendais même cela avec impatience. Mais ça, c'est un travail de lâche, pas de guerrier. Voilà, la dernière position connue de Jekaya. J'y envoie tous les vaisseaux que je peux trouver. Rejoignez-moi là-bas. Je suis juste derrière vous. Ouvrez la porte des enfers, mon ami. Voré. Voré qui veut dire merci. Non, Voré, c'est merci, ouais. Avec l'esprit de vengeance. Je vois ça. Il faut que vous montiez à bord de ces vaisseaux si on veut pouvoir inverser la donne. Compris. On peut couper les câbles d'attache. On a essayé, et on a bien failli faire un trou dans l'esprit. Montez à bord de chaque vaisseau ennemi, coupez l'alimentation, puis occupez-vous du câble d'attache. C'est clair? Vous pouvez compter sur moi. Coucou Kirat. Dégagez un passage jusqu'au vaisseau le plus proche. Je larguerai Ras Ordo pour le soutien au sol. Il est motivé. C'est son frère qui a disparu. Je m'en souviens. Des nouvelles de Jekaya? Aucune. On doit faire vite. Ok. C'est parti. Ah oui, d'accord. Ah super le matériel. On a cassé les deux ailes. L'honneur vient d'arriver, Mandalore. Une arrivée en fanfare, devrais-je ajouter. Je suis Ras. Vous avez besoin d'un bandage ou d'autre chose? Peut-être plus tard. Des câbles d'attache nous attendent. Allons-y. C'est des Darmanda. Assurément Mandalorien. À qui avons-nous affaire? Bah, on a affaire à des
Ah, des Darmanda quoi, des traîtres mandaloriens. Putain, mais c'est qu'il y a du monde. Coucou Judy. Boum. Vous savez à quelle heure je me suis couché cette nuit? Est-ce que vous savez à quelle heure je me suis couché cette nuit? Alors, il est possible qu'à tout moment je m'endorme sur mon live, hein. Je tiens à le dire. À tout moment possible que je m'endorme. Au vu de l'heure à laquelle je me suis couché. Non, pas 20h. Faut savoir que dernièrement. Il faut savoir dernièrement, je m'endors à max 1h30. À cause de mon boulot, en ce moment, je me couche très tôt. Je fais plus de nuits où je me couche tard. Et là, cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis couché à 6h30 du matin. Voilà. Là, ça va, je me dis, en fait, je me dis que vu qu'on a un week-end de 3 jours, je peux me permettre. Façon, j'ai une fille à mon boulot, elle va tout le temps en boîte et elle arrive capoute au boulot, donc en soi, ça va, hein. Oh! Oula, je suis allé un peu trop vite. Excusez-moi. Et quand je bosse le lendemain, moi c'est 23h minuit 30 max. Dégueulasse comme chien par contre. Merde. J'adore les. En réalité, j'adore les pouvoirs de l'aspect érudit sur ce Thor. Je trouve qu'ils sont tellement classe. Et comment je fais mal, c'est fou comment je fais mal. Là, il va y avoir un boss là.
Putain, 9000 de dégâts, 9300. Waouh. Il va y avoir un petit boss, non? Même pas. Allez, venez, venez tous. Hop, je te lance un petit rocher. Hop. Et hop. Voilà. Oula. Oh, encore des petits trucs. Ah oui, d'accord, les Mandaloriens, ils blaguent pas. Hein. Armement Mandalorien, un beau missile, quoi. Un beau missile à tête pointeuse. Oh. Oh. Premier boss. C'est vous deux qui causez tous ces problèmes. Vous avez promis au clan Varad qu'il pourrait affronter une armée. Vous en avez une. Vous massacrez, vous et le petit. Ce sera une délicieuse mise en bouche avant de pulvériser l'esprit de vengeance. Le maréchal Cole me récompensera quand je lui apporterai vos têtes. Le petit se demande s'il vous arrive de vous taire. J'avoue, t'aurais dû même tirer pendant son discours. T'es où? Ah, t'es là. 500 HP, pouah, tu crois me faire peur? Tu crois faire quoi? Tu crois faire quoi? Tu crois faire quoi? Putain, tous les dégâts qu'on est en train de lui mettre. Pas très résistant, hein, le bougre. Edouin, il y a encore deux câbles d'attache qui endommagent l'esprit. Retournez sur votre vaisseau. Il a été lourdement endommagé à l'aller. Il a raison. On va devoir utiliser une capsule de sauvetage. Oh, ce bruit. Ah, j'avais bien dit Darmanda. Ils sont Darmanda. Thank you.
Au moins, l'infirmier, il est mort. Allez, hop. Ça, c'est fait. Vous avez dû faire de sacrés dégâts. On détecte une fuite dans la salle des machines. L'équipage de ce vaisseau est en danger. Bah, je sais pour eux, hein. J'élimine l'infirmier. Voilà. Causera plus de soucis. Hop là. ...15 000 turbulences. Wouah. Allez, hop, voilà, c'est fait. Hop. Attends, j'ai bien vu, c'est cuisine. On est dans la cuisine. Ouh. Cuisinier. Ça a l'air d'être bien bon. Un bon repas de Limasclore. Sympa. Élimine l'infirmier d'abord. Merde. Bon, trop tard. Tant pis, venez là. Ça fera plus de monde à abattre.
Hop. 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 Il y a encore un ennemi ? Bon, il y a encore un ennemi. Hop, ce qui aura pas fait long feu. Donc, on dit l'infirmier. Voilà, il n'y a plus d'infirmier. Bon, cette pièce était un peu longue à vrai dire. J'en étais sûr. On élimine d'abord l'infirmier. Voilà. Ce vaisseau il fait pas si mandalorien que ça. Hein. Allez toi on te met ça. Et ferme là. Voilà. Où est l'infirmier? Il y a forcément un infirmier ici. Non il y a pas d'infirmier. C'est sympa. Oh là là. Ah mais c'est que j'ai perdu mon coéquipier. Pas très résistant, hein. Pas très résistant, mon coéquipier, quand même. Wesh. Calmos, le monde, hein. Y a du monde là. En vrai, je prends cher quand même. Hein. Je prends cher, je prends cher.
T'aimes beaucoup d'ascenseurs. Hein. Passerelle. Passerelle, ça m'intéresse. Ouf. Là, il va y avoir un boss, là, par là. Je le sens. Ah. Y'a un infirmier ou pas? Y'a pas d'infirmier? Ah si, y'a un infirmier. Je t'ai vu. Je t'ai vu, tu m'échapperas pas. Ok. 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 Non, oh putain, ils sont beaucoup. Ils sont vraiment beaucoup. Ils sont vraiment beaucoup. Ils sont vraiment énormes. Calmos le nombre. S'il vous plaît. Ah. Faudrait pas que je remeure une deuxième fois, ce serait con. Bébé. Allez, soigne-moi. Oula. Oulala. Y'a un rancor. Y'a un rancor. Pouvez-vous résoudre ce problème? Il faut juste qu'on coupe l'alimentation. Ça réglera le problème des boucliers d'attache. Faites-le. Ok. Je contourne les protocoles de sécurité. Ras, ça avance? J'y suis presque. Une seconde. Ras! C'est fait. Bouclier désactivé. Maintenant, comment on coupe l'attache? Shay, on a besoin d'aide. Attendez. Bien joué, Mandalore. Pas de nouvelles de Jekaya pour le moment. Ce champ magnétique doit bloquer les communications. Coupez ce dernier câble d'attache. Il n'y a qu'un seul moyen d'y aller. Ce vaisseau. C'est de la piraterie spatiale. Sur le pont. Qu'est-ce qu'il est beau, n'est-ce pas? Travaillez dur. Et nous aussi, on aura un transport en or. On en aura 10. Homme de loi d'Armada? Bah non. Si vous êtes des traîtres, vous êtes pas des hommes de loi. Qu'est-ce que vous racontez? Allez, hop, un de moins. Deux de moins. Trois de moins. Encore des gens. Et toi, hop, voilà. C'est un peu violent, mais... Oh, un petit boss. Ah. J'ai bien aimé le truc avec la capsule de sauvetage. Bien vu. On rencontre de moins en moins de gens avec un cerveau, vous savez. Et quand Shay est descendu en piqué... Wouah ! Je regretterais presque que le maréchal réclame votre tête. Ce maréchal, c'est elle qui est responsable de tout ça? Ouais, c'est elle qui paye les factures, ou du moins les miennes. Elle a de grandes idées pour vaincre les Mandaloriens. Je suis juste là pour empêcher les chiens de garde de la galaxie de venir y mettre leur nez. Nous sommes les Darmanda. On n'en a rien à faire de la politique mandalorienne. Tout ce qu'on aime, c'est gagner de l'argent. D'ailleurs,
En parlant de ça, je vais abréger. La fuite dans la salle des machines que vous avez provoquée est en train de bousiller mon vaisseau préféré. Mais excuse-moi. Hein. Ok, il y a deux infirmiers. On élimine les infirmiers d'abord. Voilà, moins 1. Moins 2. On élimine les commandos d'Armanda d'abord. Ok. Ensuite, on se tape le deuxième commando. Oh. Ok, attendez, attendez. Vous m'avez eu. La situation n'est pas obligée de dégénérer encore plus. C'est de plus en plus difficile de respirer ici. Mais vous avez un problème bien plus grave à régler. Et je suis le seul à pouvoir le faire. Les commandes sont verrouillées. Le maréchal s'est assuré que tout le monde reste groupé quand la situation s'est compliquée. J'étais pas pour. Mais qu'allez-vous faire? Et vous avez une solution? J'ai un moyen de sortir d'ici. Un petit bijou. Jetez un œil au panneau là-bas. J'ai une partie du code d'authentification. Si vous me laissez partir, je vous donne le reste. Filez. Mais si j'obtiens pas ce code, tout mon clan vous traquera. Ne vous inquiétez pas. Un marché est un marché. Ouais. Comment d'ici ? Ce Ja n'a rien à voir avec la mission. Sauvez mon frère, si. Ok, bonne nouvelle. J'ai le reste du code. Mauvaise nouvelle. C'était pas une blague. La fuite dans la salle des machines tuera l'équipage restant. À moins qu'on ne la colmate. Que voulez-vous que je fasse? Colmatez-la. Ça ne sert à rien de les laisser mourir. Compris. Ok. Ça devrait leur permettre de respirer jusqu'à l'arrivée des secours. Aidez-nous à rejoindre le dernier vaisseau du câble d'attache. Ah oui, d'accord. Drôle de vaisseau, hein.
Ah, il est chelou le vaisseau, hein. Du monde. Alors mettre un petit châtiment vigoureux. Voilà. Un deuxième. Hop. 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 Voilà. Ayez confiance. Tout a été prévu. Il se rapproche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Oh, le piège! Ah, il y a un peu de monde là. Un petit châtiment vigoureux.
Ok, bon. Je ne pense pas qu'elles soient des Varad ou des Darmanda. C'est juste une supposition. Je regrette de m'être associé avec ces Rakkul, mais en période extrême, il faut des mesures extrêmes. Le maréchal Cole a promis les reliques au Hachad. Elles reviennent à ceux qui croient en l'honneur. Ce n'est pas le cas de Shay Vizsla. Tout ça pour voler quelques reliques. Ce sont des symboles inestimables pour ceux qui ont de l'honneur. Un rappel de ce que les Mandaloriens étaient autrefois. Nous sommes du côté du maréchal. Et vous, vous êtes au milieu de notre chemin. Hachad. Vous avez fait un mauvais choix. Ils auraient pu mettre une musique mandalorienne pour le combat de boss là. Aucun respect, hein. C'est fou ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici Jekaya Ordo, du vaisseau amiral Esprit de Vengeance 2. Vous entendez? Jekaya est en vie! Mon support vital est en train de lâcher. On nous tire dessus. Si vous comptez faire quelque chose, faites-le maintenant. Allons-y. Aller plus vite. Tous les membres d'équipage doivent se rassembler sur le pont. Je répète, le pont. Non. Oh l'infirmier, je t'ai vu. Tu mourras pas cette fois-ci. Ok, maintenant l'infirmier est mort. On va mettre un petit châtiment vigoureux. Voilà, petite turbulence. Voilà, hop, 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 hop. Oh là là. Ce ne serait pas vous qui êtes venu gâcher la fête? Maréchal Cole. En chair et en os, je tenais à vous remercier personnellement d'avoir mis en évidence les points faibles de mon plan.
Ça ne se reproduira plus. Un conseil ? Vous êtes du mauvais côté. Pourquoi faites-vous ça ? L'héritage mandalorien. Et la vengeance. Toujours la vengeance. Mais vous ne comprenez pas. C'est dommage parce qu'un Jedi devrait comprendre la lutte contre l'abus de pouvoir. Ça suffit ! Que voulez-vous, traître ? Shay en personne. Comme prévu. Répondez à ma question. Vous avez asservi les Mandaloriens. Ça ne durera pas. Mais assez parlé de moi. Vos amis ont fait tout ce chemin pour mourir. Mandalore les retient. Un million d'HP. Mais pourquoi vous mettez pas... Mais pourquoi ils mettent pas des musiques mandaloriennes en boss là? C'est fou ça. Sérieusement, vous n'avez pas assez de vie comme ça. C'est bon, on a compris. Toujours en vie ? Impressionnant. J'aime beaucoup cette petite. À la bannière des Cadera. À présent, H.
achever Jekaya et ce maudit Jedi. Elle est en train de partir. Affrontez-moi, traître. Profitez bien de vos derniers jours, sale viseur. Moi, je le ferai. Moi, je quoi? J'ai pas compris. Toutes les équipes qui tiennent encore debout travaillent sur les réparations au Mandalore. Continuez comme ça. Plus vite on sortira d'ici, mieux ce sera. Ras, des signes que les vaisseaux essayent de nous encercler? Non. Outre le fait de ne pas avoir réussi à débarrasser la galaxie de mon acariâtre de frères, ils ont dû avoir ce qu'ils étaient venus chercher. La bannière des Cadera. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça représente pour elle? Le clan Cadera a commencé à se soulever contre Mandalore l'Innocenté. Il a refusé de se ranger dans les camps des Sith, de reconnaître leur chef. Pour eux, c'était une question d'honneur. Bon ou mauvais, ils ont tous été éliminés. Ça n'explique pas pourquoi elle s'est donné autant de mal. C'est un symbole de rébellion. Peut-être quelque chose autour duquel les exclus peuvent se rallier. Peut-être. Mais j'ai l'impression que ça va plus loin. J'ignore pourquoi elle a fait ça. Mais ces groupes devraient être en train de s'égorger mutuellement, pas de travailler ensemble. Elle a une motivation personnelle. On ne peut pas la laisser nous diviser, Mandalore. Une autre guerre civile nous détruira. Laissez-moi la trouver et mettre un terme à tout ça. D'accord. Beaucoup d'innocents vont se retrouver pris entre deux feux. De quoi avez-vous besoin? Quand le moment sera venu, je vous le ferai savoir. Pour l'instant, je ne peux pas laisser sa piste se refroidir. Je pars immédiatement. Vous n'êtes pas en état de vous battre, vieux rancor. Archak! Alors arrêtez de me faire perdre mon temps et allez trouver ce traître, Mandalore. Je m'occupe de tout ici. Ma chasse ne se terminera que par la mort. La sienne ou la mienne. Est-ce que ce sera vraiment aussi simple? J'aimerais bien, mais il y aura probablement d'autres attaques imminentes. Je désigne Jekaya Ordo comme arbitre. Je vous délègue ma voix et mon autorité sur tous les sujets. Préparez les clans à la guerre! Super! On a réussi. Ça a été compliqué, mais on a réussi. Vous avez eu votre bannière des Cadera, Maréchal Cole. Et à quel prix? Les Hachad n'ont pas l'habitude que leurs ennemis ripostent. Quel dommage que le clan Varad n'ait pas réussi à contenir le problème sur son vaisseau, lorsque les sbires de Shae sont arrivés. Vos précieux disciples ont été tout aussi sanguinaires. La différence, c'est que notre réputation augmentera, contrairement à la vôtre. On est prêt à passer à la phase suivante, Maréchal. Les Darmanda doivent avoir obtenu leur crédit. Arrêtez! C'est vrai que le clan Varad n'a pas réussi à maîtriser la situation. Parlons-en. Détonateur thermique. Bon réflexe, Tiff. Le problème ici, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on doit compter les uns sur les autres. Par exemple, s'ils lâchent ça, on meurt. On veut tous une chose pour laquelle on est prêt à donner notre sang. La réputation, l'honneur, les crédits, peu importe. Cette certitude nous unit. Elle nous rend égaux. Alors il va falloir qu'on se fasse tous mutuellement confiance. Comme si nos vies en dépendaient. Les Mandaloriens se sont égarés. Ils ne sont pas restés unis. Mais tue-le, Tantier. Je vais leur montrer que notre histoire d'honneur intacte perdure.
ne sont pas dignes à leur chute. Nous avons choisi un camp dans cette bataille. Et on se bat pour gagner. Vous savez ce que vous devez faire. En avant! Mondoad, Drar, Digu. Non, malheureusement, je pourrais pas traduire. Je reviens. Passons à la suite. Bienvenue au club, commandant. Pas grand chose aujourd'hui. Tout le monde est occupé à courir à droite et à gauche. Nous recevons d'innombrables demandes de toute la galaxie. La plupart sont traitées rapidement. Oui, mais certaines de ces demandes épuisent nos réserves avant même qu'on s'en rende compte. De l'hypermatière, des hommes, des munitions et même des vivres. J'ai du mal à suivre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Obtenir plus de tout. Des hommes, des vaisseaux, du carburant, du temps. Des choses faciles à trouver, quoi. Il faut qu'on en fasse toujours plus avec toujours moins. Nous avons proposé des solutions, mais nous devrions d'abord discuter des dernières nouvelles. Sanare et moi-même, ainsi que les membres de notre enclave de force ici sur Odessen, avons surveillé de près l'apparition de nouveaux signes de l'influence de Valkorion. L'époque où les morts restaient morts commence à me manquer. On croise les doigts. La force comment ça est différente. Plus légère quelque part, comme si l'existence même de Valkorion était un poids qu'aucun de nous ne reconnaissait. Notre enclave, les Vos, même les étudiants de Satil ont apparemment ressenti ce changement. Il semblerait que notre ancien ennemi soit bel et bien mort. Je suis sûre que vous l'avez ressenti, vous aussi, étant donné la puissance de la force chez vous. Maintenant, la question est, comment procéder ? Nous devons nous assurer qu'il est vraiment mort, et que ce n'est pas un autre de ces tours de passe-passe. C'est plus prudent, en effet. Je vais demander à l'enclave de rester à l'affût du moindre signe. Passons aux Mandaloriens. C'est la folie chez eux en ce moment. Chez Visla a assassiné la moitié des Darmanda sur Mekcha, mais elle n'a toujours pas trouvé son maréchal Cole. Indigo n'a jamais été très proche de ses hommes. Je doute même qu'ils sachent qu'ils sont impliqués. Comme promis, Jekaya Ordo a soutenu nos opérations en remplacement de Shay. Malgré l'agitation dans les clans, il nous a aidés à trouver des escortes pour nos transports. C'est une bonne nouvelle. Pour en revenir aux nombreuses demandes d'assistance de nos alliés qui nous parviennent de toute la galaxie, nous avons une solution. Nous employons déjà un certain nombre d'individus incroyablement talentueux et débrouillards, qui pourraient très bien traiter ces demandes seuls ou en petite équipe. De plus, entre mes contacts et ceux de Terron, nous pourrions recruter plusieurs éléments extérieurs pour satisfaire les besoins de nos alliés. Comme par le passé, si ces éléments se révèlent utiles, nous pourrions ensuite les recruter officiellement. Ce serait une sorte de test grandeur nature, pour ainsi dire. Quelque chose me dit que vous avez déjà un de ces tests en tête. Naturellement. Le premier scénario concerne Balmora. On y prépare une grosse cargaison de turbolasers destinée à une base de la République sur Corellia. Le problème, c'est que les Impériaux sont au courant. Ils vont tendre un piège au transport. L'amiral Aigo a pensé à quelqu'un pour cette mission. Un combattant de la résistance de Balmora.
Quelqu'un que vous connaissez bien. Zénith. Oh. Ravi d'apprendre qu'il est toujours vivant. Zénith pourrait nous être utile. Je suis d'accord. On donne à Zénith les infos sur le transport, il fait son truc, tout le monde est content. Bon, sauf les impériaux, j'imagine. Qu'est-ce que vous en dites? Demandez à B1 de contacter Zénith, et ensuite on verra. Super. Je vais dire à l'amiral que c'est bon. C'est tout pour aujourd'hui, commandant. Je vais transmettre vos conclusions à tout le monde. Merci pour votre disponibilité. Fait le yo-yo entre les salles. Commandant, je viens de recevoir un message intéressant de Maître Nos Dural. Qu'est-ce qu'il a dit ? Juste qu'il veut vous voir, tout de suite. Uniquement vous. De préférence dans l'endroit le plus sécurisé dont nous disposons. Ça ne me dit rien qui vaille. Sans blague. Bien, préparez la salle des opérations. J'attendrai Nos Dural là-bas. Bien, commandant. Ils ont changé sa voix, non, la meuf ? Bonjour, mon ami. Pardonnez-moi d'avoir organisé tout cela au dernier moment, mais ça ne pouvait pas attendre. Ravi de voir que tout se passe bien par ici. Arn, je suis surpris de vous voir sans Tao. Elle aurait voulu être là, mais elle a été envoyée au dernier moment sur Balmora pour aider des civils. Elle m'a dit de faire attention à moi. Votre entraînement se passe bien ? C'est fantastique. J'apprends tellement de choses. Je crois que j'ai enfin trouvé mon rythme. On devrait commencer la réunion. Il n'y a pas une seconde à perdre. Tout va bien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous ne croyez pas si bien dire. Mais ce n'est pas moi qui l'ai vu. Voici Arin Lenir. Maître Satil nous a connectés. Elle avait une information intéressante à nous communiquer. La vraie Arin Lenir ? C'est vous qui avez affronté Malgus lors du pillage de Coruscant et survécu ? C'est un honneur de vous rencontrer. Combien de fois avez-vous fui Malgus ? On pourrait créer un club. Je fournis les boissons. Arin vit sur Dantooine. La planète abrite une enclave Jedi abandonnée, où se trouvent d'innombrables reliques et d'objets anciens. Ce serait une catastrophe s'il tombait entre de mauvaises mains. Malheureusement pour nous, Dark Malgus vient tout juste de pénétrer dans ces ruines. Malgus ? Vous êtes sûr ? Personne ne l'a vu depuis le complexe méridien. J'en suis sûr. J'ai senti Malgus avant même qu'il ne pose le pied sur la planète. Je l'ai vu et je l'ai suivi jusqu'à l'enclave. Malgus est-il toujours sur Dantooine ? Je l'ignore. Je ne suis pas resté longtemps. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Je n'aurais jamais pu l'affronter toute seule. Je n'ai pas honte d'admettre que je ne suis plus la combattante que j'étais autrefois. Mais Malgus, c'est comme s'il était aussi puissant que la dernière fois que je l'ai vu. Si ce n'est plus. Quelqu'un de plus puissant devrait absolument savoir ce qui se passait. Alors je me suis enfuie avant qu'il ne comprenne que je le suivais. J'ai réuni ma famille et je suis allée voir Maître Satil. Vous avez eu du courage de le suivre aussi longtemps. Beau travail. On doit savoir pourquoi Malgus a choisi Dantooine. Et pourquoi faire ? Comment fait-on, Maître Nos Dural ? Le général Deroun attend les ordres. Il se tient prêt à déployer des renforts militaires si nécessaire. Mais nous préférons tous les deux que tout cela se fasse discrètement. On ne veut pas semer la panique sur Dantooine, ni que l'Empire apprenne ce qui s'est passé. Que suggérez-vous ? Explorez l'enclave et découvrez ce que Malgus faisait là-bas. Arn a déjà étudié ces ruines. Il pourra vous aider. Vous avez entendu ce que je viens de dire ? Deux Jedi ne seront pas de taille à affronter Malgus.
Quand ces deux-là ont affronté Malgus sur Corellia, ils étaient à deux doigts de l'achever. Si Malgus est toujours dans ces ruines, ils seront prêts. Arn et moi savons quoi faire. Absolument. Si vous voulez quand même y aller seul, laissez-moi au moins vous emmener sur Dantooine et vous orienter dans la bonne direction une fois que nous aurons atterri. Je vous attends à la navette. Je suis content qu'elle ait proposé son aide. Elle connaît bien Dantooine et Malgus. Et elle fera tout pour protéger sa famille. Mais n'oubliez pas, Arin Lenir était certes un Jedi, mais elle ne fait plus partie de l'Ordre. Elle n'a qu'une seule responsabilité, vous emmener là-bas et vous ramener sain et sauf. Je ne l'oublierai pas. On devrait y aller. Si on attend trop longtemps, je doute qu'il reste quelque chose à trouver dans l'enclave. Mais l'enclave de Dantooine, c'est pas un truc... C'est pas un truc de torture. Il s'est pas passé quelque chose sur Dantooine, quelque chose d'horreur. D'horrifique, pardon. On n'est plus très loin de Dantooine. On arrive bientôt. Vous avez dit que vous pouviez sentir Malgus avant même qu'il n'atterrisse. Comment est-ce possible ? Le jour où je l'ai combattu sur Coruscant, je sentais sa rage et son dégoût à chaque attaque. Je n'avais jamais ressenti une chose pareille. C'était étouffant. Ce n'est pas une chose qu'on oublie facilement. Je reconnais sa présence entre mille. Je vous comprends parfaitement. Et ce n'est pas une chose que je voulais ressentir à nouveau. Mais nous y voilà. Je suis sûre que Maître Nost Dural vous a parlé de mon passé. On ne peut pas dire que je sois heureuse de renouer avec les Jedi, mais si c'est ce qu'il faut faire pour protéger ma famille... Je comprends. On va se poser loin des ruines. Je ne voudrais pas attirer l'attention sur nous. L'attention de qui ? Je n'arrive pas à y croire. Comment l'Empire a-t-il eu vent de cette histoire ? En faisant quelque chose d'indécent, je parie. Suivez le plan. Empire ou non, nous devons absolument retrouver la trace de Malgus. On peut passer par la porte d'entrée, mais je doute que ça marche. Je peux vous montrer un moyen d'entrer. Vous en êtes sûr ? Évidemment que j'en suis sûr. Vous voulez toujours faire ça discrètement. Mais ils ont l'Empire a pas vu qu'il y avait un vaisseau qui est arrivé. L'enclave pour se faire de l'argent. Ce n'est pas un secret et le gouvernement ne voit pas ça d'un bon œil. Ces pilleurs ont creusé des tunnels d'accès cachés. Si on en trouve un, on arrivera à entrer. A priori sans rencontrer trop de résistance. Très bien, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. On vous suit. Qu'est-ce qui nous attend dans ces ruines ? À part des impériaux. Débris, tunnel effondré. Après la destruction de l'enclave, personne n'a jamais pu la reconstruire entièrement. Ça fait des siècles que personne n'a essayé. Après tout ce temps, il ne doit plus rester grand-chose là-dedans. Une grande partie de la zone locale utilise les ruines comme lieu de modification. Est-ce que ça compte ? Ouais, des impériaux.
Enfin, elles ont une belle gueule les recrues hein. On doit éliminer les patrouilles avant qu'elles n'avertissent leurs amis de notre présence. Hors de question qu'ils sachent comment on parvient à entrer. Mmh. Pauvre recrue impériale, franchement. Je suis désolé. Vous creusez. C'est comme si aujourd'hui vous rentriez dans l'armée impériale et que vous tombiez sur un putain de maître Jedi pour votre première mission. Alors franchement, bonne chance. Eh bien. Ah, il y a un con, il y a un... Wesh, 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 je suis en train de mourir. Wouah! Incroyable. Ah! J'aurais dû le garder. Non! Je voulais le lancer contre les infirmiers!
devrait nous permettre d'entrer. Bien joué. Soyez sur vos gardes. Il faut qu'on se prépare à toutes les éventualités. Entendu. Veillez à respecter la notice des produits. Portez-vous bien. Hop là. Oh, super. Il va y avoir un petit boss là, je suppose. Mais oui, c'est un encore. Non, c'est un gros là. Tiens, je connais pas. Thank you.
Eh bé. C'était quoi cette chose? Un gros. Le plus gros que j'ai jamais vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai suivi Malgus jusqu'ici, j'ai traversé ces tunnels sans problème. Bien sûr, il y avait quelques créatures ici et là, mais elles m'ont ignoré. Elles n'attaquaient pas comme elles le font maintenant. Quoi que Malgus ait fait ici, on dirait qu'il a tout mis sans dessus dessous. Je n'aime pas ça du tout. Moi non plus. La force a l'air si anormale ici. Cet endroit a connu tant de douleurs et de souffrances. Elles se ressentent à travers la force. Je ne serais pas surprise si Malgus avait fait quelque chose pour rompre l'équilibre. Que s'est-il passé ici? Trahison. Meurtre. Les Sith n'ont fait preuve d'aucune pitié lorsqu'ils ont détruit l'enclave. Tant de morts inutiles. Elle a raison. Et ce n'était pas beaucoup mieux avant l'arrivée des Sith. Ici, les Jedi allaient jusqu'à modifier les souvenirs d'une personne s'ils la croyaient corrompue par le côté obscur. Ils effaçaient parfois même sa mémoire. Ou pire, personne ne sait de quoi ces Jedi étaient capables. Pas même Maître Nos Dural. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Je pense que personne n'en est fier. Bon, ça suffit. On perd notre temps. Nous sommes sur la bonne voie. Continuons à avancer. Ouais. On va avancer. Ça commence à faire beaucoup. Il semblerait que la faune ne soit pas la seule à avoir été dérangée par Malgus. Mais... Let's go.
Et puis ils sont résistants ces droïdes. Lénir, pourquoi en savez-vous autant sur l'histoire de l'enclave? Vous n'avez pas dit que vous n'étiez plus impliqué dans les affaires des Jedi? Quand vous voulez quitter l'ordre, les Jedi n'effacent pas votre mémoire pour vous faire oublier tout ce que vous avez appris. Maintenant. Allez, hop, hop, hop. On va avoir un petit boss.
Excusez-moi un instant, j'ai quelques insectes à écraser qui m'attendent. Si seulement vous pouviez comprendre l'erreur que vous venez de faire, vous me faites presque pitié. Laissez-nous passer et vous aurez la vie sauve. Je vous remercie. Je vais tellement m'amuser. Votre ingérence s'arrête ici, Vermisso. Vous allez subir ma colère, misérable clopin. J'ai une surprise pour vous. Déploiement des grenades. Arrêtez de résister. Maintenant, vous êtes déjà mort. En colère. Bon, le capitaine est mort. Je ne fais que commencer. Arrêtez de résister. Vous êtes déjà mort. Je vais tous vous écraser. Mais ce n'est que le début. Pas très résistante, hein. Si vous savez où mène ces tunnels, dites-le nous. Seigneur Zilis ? Oh, c'est bon. Quand Zilis a parlé d'insectes, je ne pensais pas à ça. Colonel Gola, service de récupération impériale. Vous utilisez une holofréquence qui appartient à mon équipe. J'en déduis donc qu'ils sont tous morts. Nous sommes en guerre. Et désormais, nous pourrions bien faire face à une plus grande menace que les chamailleries qui opposent régulièrement la République à l'Empire. Malgré cette guerre, je constate que vous avez épargné le Seigneur Zilis. Que vous faut-il pour que vous me la rendiez vivante? Si vous me dites ce que vous faites ici, et tout ce que vous avez appris depuis votre arrivée, alors elle sera libre de partir. Je ne vous ferai pas ce plaisir. Vous m'avez déjà assez fait perdre mon temps. Non. Et je vous conseille de faire demi-tour. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. C'est trop tard. Ses blessures sont graves. Elle ne s'en sortira pas. De toute façon, ce n'est pas comme si elle nous aurait été utile. Vous n'êtes pas obligé de mourir ici. Aidez-nous à trouver Malgus. La mort est bien plus souhaitable, Vermisso. Quel gâchis. Avançons, on doit trouver le chemin. Je ne crois pas être allé aussi loin quand je suivais Malgus. Alors, par où on va? On se sépare? Non. Donnez-moi une minute. Par là. Malgus est allé par là. Comment le savez-vous? Parce que c'est par là que sa présence est la plus forte. Vous voulez dire
qu'il est ici ? Pas forcément. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les choses terribles qui se sont passées ici et qui ont laissé leur empreinte sur la Force. Ces douleurs et ces traumatismes sont comme des empreintes. Tous ceux qui passent ici, même Malgus, laissent aussi ce genre d'empreintes. Et je peux les sentir. Pourquoi est-ce que je ne les sens pas ? À cause de l'empathie de Force. Je la ressens depuis toujours. J'ai toujours été quasi submergée par les sentiments et les émotions des autres. Même le temps et la distance ne parviennent pas à l'empêcher. Est-ce que Malgus sait ça ? Est-ce qu'il pourrait manipuler ses empreintes en sachant que vous êtes notre seul guide ? Je ne sais pas. Je n'y avais pas pensé. Bon, tout ce que nous pouvons faire, c'est suivre ce tunnel ou rebrousser chemin. Avançons. Mais soyons prudents. Oh putain, Torrent Attack. Oh putain, il en a déjà des HP. Des droïdes. Ah non, des impériaux. Thank you.
Vous ne rechignez manifestement pas à tuer des Sith. Vous en doutiez. Juste par curiosité, si on trouve Malgus là-dedans, ou ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire? Je l'ignore. Commençons par le coup. Entendu. Ah bah ça a été rapide là. Sachez seulement que la dernière fois que j'ai affronté Malgus, nous avons tous les deux juré de nous entretuer si nous nous recroisions. J'ai l'intention de tenir le compte. Désolé, j'aurais dû le dire avant. J'aurais préféré. On dirait qu'il n'y a pas d'issue. Regardez cette porte. J'ignore ce que les Jedi avaient enfermé ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on le voie. Dommage pour eux. À en juger par ces brûlures de sabre laser, quelqu'un a réussi à entrer. Récemment. Allons voir ce qu'il y a dedans. Faites pas un pas de plus. C'est vous qui avez fait ça? Ce n'étaient pas vos alliés? Ne soyez pas stupide. Ils étaient déjà morts quand j'ai trouvé cette pièce. Quel dommage. Si seulement le seigneur Malgus avait eu une once de loyauté pour l'Empire, il aurait peut-être épargné mes hommes. Vous croyez que Malgus a fait ça? Ne me dites pas que ça vous surprend. Je savais que Malgus cherchait à détruire les liens qui l'unissent à l'empereur Voron. Mais je n'imaginais pas qu'il irait aussi loin. Comment ça? Il était sous le contrôle de notre empereur, obligé d'accomplir ses volontés. Malgus voulait détruire ses chaînes, à tout prix. Même s'il fallait pour cela assassiner de loyaux serviteurs de l'Empire. Malgus ne ressemble en rien aux puissants Sith que j'ai servi et admiré. Ces nobles héros semblent être une espèce en voie d'extinction. J'ai vu des tas de choses plus étranges et terribles les unes que les autres au sein du service de récupération.
mais il y avait une constante. Ceux qui manient la force ne reculent devant rien pour obtenir le pouvoir. Les atrocités survenues il y a plusieurs siècles, ici même, en sont la preuve. Votre espèce n'en aura jamais assez. Et nous autres en paierons le prix. C'est faux! Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Partons avant qu'on ne découvre ce que c'est. Ignorez-le, ce n'est pas lui que nous sommes venus chercher. J'ai affronté des choses plus terribles que tout ce que vous pouvez imaginer. Même dans vos pires cauchemars. Aucune menace ne pourra me détourner de mon devoir. Mais si vous renoncez à essayer, je pourrais sans doute être enclin à vous laisser une longueur d'avance. J'ai une mission à remplir, et je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir fait. Je suis navré de vous décevoir. Pour l'Empire ! Cet endroit sera votre tombeau ! Ce tombeau sera votre tombeau. C'est fini. Je vais vous exterminer. Venir ici aura été votre dernière erreur. Vous êtes sur mon chemin. Il est temps de mourir. Et si on passait au niveau supérieur, hein ? Il me reste temps à prendre. Non, ça ne peut pas être la fin. Vous n'auriez pas dû vous mettre sur ma route. C'est vrai. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que je ressentais tout à l'heure, ça recommence. Si on... Jedi. Vos amis ne peuvent pas vous entendre. Si vous aviez vraiment été en présence de Dark Malgus, vous seriez morte avant même d'avoir brandi ce pathétique sabre laser. Pourquoi faites-vous ça? Où sont les autres? Je ne fais rien. Tout ce que vous voyez est de votre propre fait, Arryn Lenir. Je me souviens de la façon dont les Jedi ont été impressionnés par votre capacité à ressentir les émotions à travers la Force.
Je ne vous pensais pas capable de percevoir une empreinte laissée par la présence de quelqu'un. Laissée ? Pourquoi avoir laissé des indices pour que l'on puisse vous traquer ? Votre grand âge vous aurait-il rendu sénile ? Utilisez ce que vous voulez. J'espère que vous réussirez à me trouver. Ce sera la dernière chose que vous ferez. J'ai fait ce qu'aucun autre site n'a jamais réussi. J'ai brisé mes chaînes. Personne ne peut m'arrêter. Ni la République, ni l'Empire, ni vous. Peut-être que je ne peux pas vous arrêter, mais vous n'êtes pas invincible. Peut-être pas, mais vous n'aurez jamais l'occasion de le prouver. Pensez-vous vraiment que personne d'autre ne m'a vu venir ici ? Vous n'êtes pas la seule. Je m'en suis assuré. Mais vous êtes la seule à avoir fait ce que j'attendais. Vous avez conduit le commandant de l'Alliance jusqu'à ses ruines. Dommage que votre récompense soit de mourir avec lui. J'aurais préféré vous tuer en personne. Je l'avais juré. Lénir ! Qu'est-ce que... Partez ! Maintenant ! Sinon nous mourrons tous ! Qu'est-ce que... Par là ! Dépêchez-vous ! Si tout le monde est prêt, commençons. Je ne savais pas que d'autres personnes allaient nous rejoindre. Puisque nous parlons de ce qui pourrait nous empêcher de restaurer les Jedi, j'ai pensé qu'il valait mieux inviter certains des représentants les plus importants de l'Ordre. Tao est impatiente de savoir ce qui s'est passé sur Dantooine. En effet, je suis sûre que c'est une sacrée histoire. Ravi de vous voir, Tao. Vous faites bien de vous joindre à nous. Je suis ravi d'être ici. Voici Maître Salderon. Elle nous a permis de retrouver d'anciens Jedi et d'identifier de nouvelles recrues pour l'Ordre. J'ai hâte de travailler avec vous. Quelqu'un qui possède vos aptitudes et vos atouts peut jouer un rôle crucial dans plusieurs de mes projets. J'ai hâte de faire de grandes choses avec vous, Maître Salderon. Et voici Maître Vignortesh. L'un des intendants des bibliothèques et archives Jedi les plus scrupuleux.
Avant de commencer, je dois être honnête. Je ne pense pas que nous devrions inviter à cette réunion quelqu'un qui ne fait plus partie de l'Ordre Jedi. C'est une blague ? Absolument pas. Nous devons évoquer des éléments qui pourraient changer à jamais le destin des Jedi. Mais vous-même ne seriez pas ici si l'Enir n'avait pas été là. Nous avons besoin d'alliés. Sauf votre respect, Maître Vignor. Ce serait une erreur de refuser l'aide de ceux qui veulent bien nous en donner. Bon, elle peut rester. Je n'aurais pas pu mieux dire. Merci, Yharn. Je suis entièrement d'accord. N'oubliez pas. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un rôle à jouer dans la restauration des Jedi, quel que soit votre rang ou votre titre. Bien. Racontez-nous ce qui s'est passé dans l'enclave sur Dantooine. Le soldat du service de récupération, le colonel Gola, celui qui a tenté de nous tuer. Il a dit que Malgus cherchait un moyen de détruire ses liens avec l'empereur Voron. Quoi que Malgus ait fait, ça a marché. Il n'est plus lié à l'Empire. N'oubliez pas la vitrine brisée en 1000 morceaux. Malgus a peut-être pris quelque chose dans l'enclave. Et Gola s'est échappé. Donc on peut être sûr que l'Empire sait désormais tout ce que nous savons. C'est inquiétant. Chacune des reliques qui étaient cachées dans cette enclave serait une arme mortelle entre les mains de Dark Malgus. Et en plus, vous me dites qu'il est désormais sans attache. Yharn, vous et moi allons passer au peigne fin les archives Jedi portant sur l'enclave de Dantooine. Nous devons à tout prix identifier l'objet dont Malgus s'est emparé. Maître Vignor, nous aurons besoin de votre aide. C'est comme si c'était fait. Je commence les recherches immédiatement. J'aurai aussi besoin de tout ce que nous avons sur la bibliothèque d'Ozus. Pourquoi Ozus ? Ce n'est pas la première fois que Malgus vole une relique. Sur Ozus, après que Malgus m'a laissé pour mort dans la bibliothèque, je l'ai vu fuir avec quelque chose. Un livre ? Je ne suis pas sûr. C'était le chaos. Et nous n'avions même pas fini de cataloguer la bibliothèque avant l'assaut de l'Empire. Vous faites bien de le mentionner. Malgus semble avoir un plan. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Au début, je n'ai pas vu le lien avec ce qui s'est passé sur Ozus. Les Sith volent des artefacts tout le temps. Mais maintenant... Si Malgus est à la recherche de ruines Jedi à piller, nous devrions déployer nos forces là où il est susceptible de se rendre. J'en parle immédiatement au général Derun. Merci, Maître Salderon. Je vais commencer à compiler nos archives sur l'enclave de Dantooine. Je devrais pouvoir vous présenter mes résultats rapidement, Maître Nos Tural. Même après tout ça, on ignore toujours où Malgus est passé. Ne vous en faites pas, ça va bientôt changer. En attendant... On se tient prêt, et quand Malgus décidera de se montrer à nouveau, on l'attendra. Bien, vous êtes là. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Après sa visite sur Dantooine, je sais que nous sommes tous inquiets quant au plan de Dark Malgus. Maître Nos Tural et les autres membres de la Commission Nova font tout leur possible pour trouver ce que Malgus peut vouloir. Mais malheureusement, la mission prend du temps. Ce ne sont pas les nouvelles que j'espérais, mais ce n'est pas étonnant. Qu'avons-nous d'autre ? Je pense que c'est quelque chose qui devrait vous intriguer. D'accord, début de l'enregistrement. Date tamponnée, le cryptage fonctionne. Ici Shae Vizsla, j'ai des nouvelles concernant la poursuite du maréchal Eta Cole, responsable de l'attaque contre l'esprit de vengeance 2. Je veux que les choses soient claires. Mon seul objectif est de retrouver cette traître et j'ai besoin de l'aide de l'Alliance. Je suis sûr que le groupe de Eta, la chaîne cachée, a établi une base permanente. Emplacement inconnu. J'ai besoin de savoir qui l'approvisionne et comment.
J'ai inclus mes découvertes dans cette transmission. Faites ça et je vous le revaudrai. De mon côté, je suis sur les traces d'un recruteur en fuite qui connaît Eta. Je dois remercier les Darmanda de Mekcha pour cette piste. Dites au commandant que son vieil ami Indigo lui transmet ses amitiés. Très bien, je me pose dans quelques minutes et je dois faire silence radio. Ce recruteur m'a entraîné dans une véritable chasse et il ne m'échappera plus. Shay, terminé. Nous avons commencé à analyser les renseignements de Shay, mais il nous faut un agent au sol. Le caractère fermé des Mandaloriens complique la collecte d'informations. Vous pensez à quelqu'un ? Aka Vispar, chasseuse de primes mandalorienne. Aucune affiliation avec les autres clans. En fait, c'est un lien fort avec une faction importante. Mais elle a la réputation d'obtenir des résultats. Des impressions ? On dirait qu'elle peut faire le boulot. Ravi de l'entendre. Je vais faire les préparatifs. Tenez-moi au courant. Qu'y a-t-il d'autre au programme ? C'est tout pour le moment, commandant. Je vous informerai si les choses évoluent. Barcentor ? Zénith. Ça faisait longtemps. L'amiral Aigo a dit qu'il s'agissait d'un débriefing à propos de la cargaison d'armes. Il n'a pas parlé de vous. Je voulais être prêt pour cette conversation. Il s'est passé tellement de choses. Tant d'années dans un silence total. C'est difficile à expliquer. Ce n'est pas la peine. Non, je devrais essayer. Vous le méritez. Pendant des années, je vous ai cru mort. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, mais vous... C'était difficile à accepter. Et puis, la rumeur a dit que vous étiez de retour. Je ne pouvais y croire. Impossible. J'ai essayé de séparer le vrai du faux, mais... Les rumeurs n'ont cessé de grandir, et elles sont devenues incontrôlables. On m'a dit que vous combattiez des armées entières, faisant des choses impossibles. Il n'y avait pas que moi. Mon équipe était à mes côtés à chaque étape, comme vous dans le passé. Est-ce que ce sont des gens bien ? Fiables ? Vous pouvez le constater vous-même. Je suis encore là. Si vous avez survécu à la moitié de ce dont j'ai entendu parler, ils doivent être les meilleurs. J'ai eu... de la chance de les trouver. Je crois que je comprends la stratégie de l'amiral. Il cherchait à me rallier à votre cause, et il tire parti de notre passif. Nous avons besoin de vous. Nous croyons en la même chose. Je crois qu'il faut éviter au peuple de Balmora de tomber aux mains des Sith. Je respecte ce que vous et votre peuple faites. Affronter l'Empire éternel, mener les bonnes batailles. Mais vous avez des impériaux dans vos rangs, et je ne peux pas travailler avec eux. D'anciens impériaux. Mais je comprends. Et s'il y a la moindre chance pour que vous restiez, nous pourrions nous adapter. Séparer les choses. Ce n'est pas facile, mais c'est vous qui le demandez. Je vais mettre mon passé de côté. Je ne réponds qu'à vous. Compris. J'ai encore une question. Une rumeur difficile à croire. J'ai besoin de connaître la vérité. D'accord. Ouais. L'empereur vit-il toujours en vous ? Après toutes ces années, Zénith, me faites-vous toujours confiance ? Absolument. L'empereur est mort. Tout ce qu'il a pu incarner a disparu. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir été là pour le voir mourir. L'Empire m'a pris tellement. Bon. Où est-ce que ce vieux révolutionnaire peut ranger son équipement ? Murmure dans la force. Maintenant que toutes les personnes importantes sont là, passons aux choses sérieuses. Akavi, qu'est-ce que vous avez ? D'après les renseignements fournis par Mandalore, j'ai réussi à affiner mes recherches et à repérer les fournisseurs potentiels de Eta Cole et de son groupe, la chaîne cachée.
Les cibles de Eta, les colonies de la bordure extérieure et les transports sur la route commerciale de Rima sont de puissantes maisons commerciales qui ont anéanti la concurrence grâce à ces armes. Ce seront probablement nos fournisseurs. J'ai parlé à Jekaya Ordo. Il mobilise la flotte de Mandalore par précaution. Vous trouverez tout ce que j'ai découvert dans mon rapport. D'accord. Les analystes s'en chargeront. Bon travail. Autre chose ? Maître Nosdural nous a envoyé un message. On dirait qu'il a trouvé des informations sur ce que Malgus a pris sur Dantooine. Cela a pris du temps, mais Arn, Maître Vignor et moi avons fait une découverte. Nous l'avons presque manqué, mais un coup d'œil d'Arn nous a confirmé ce que nous avions trouvé. Le système de confinement que vous avez trouvé dans les ruines de Dantooine, il apparaissait sur une liste d'antiquités emmenées à l'enclave de Dantooine comme protection il y a des siècles. Nous avons consulté les vieilles archives de Sus, et bien que nous ne sachions toujours pas exactement ce que Malgus a volé, nous avons appris que la relique appartenait à un site connu sous le seul nom de Darknoll. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à Darknoll. Sur le mystérieux site. Mais nous transmettons tout ce que nous avons trouvé. Je crains que nous ayons encore une énigme de plus à résoudre. J'ai jeté un œil aux données envoyées par Nosdural. J'ai l'impression que la Commission Nova pense que cette piste sur Darknoll est prometteuse. Ils ont localisé une vieille forteresse Sith qui aurait pu appartenir à Darknoll. Nosdural et Maître Salderon ont déjà envoyé une équipe sur place. S'il y a une chance pour que nous puissions les aider dans leurs recherches, allons-y. Soldats, crédits, chercheurs, tout ce dont la Commission Nova a besoin est à sa disposition. Toute l'aide que nous vous fournirons sera sûrement très appréciée. Mais je pense que notre temps serait mieux employé à suivre cette piste. Qu'est-ce que c'est ? L'origine de la relique de Darknoll. Peu de gens connaissent cette planète. Elle se trouve dans une région reculée de l'espace sauvage. Un monde dangereux et farouche. Si vous avez l'intention d'enquêter sur l'origine de cette relique, vous devez envoyer quelqu'un sur place. Quelqu'un qui connaît cette région de la galaxie. Je suggère Arkane. Nos amis Jedi ne seront peut-être pas ravis qu'Arkane dirige cette histoire. Il a bien failli les détruire. C'est une inquiétude valable. Mais au final, la décision vous revient, commandant. Sana Rae a raison. Arkane est le meilleur choix pour cette mission. Nous assumerons les conséquences plus tard. Arkane devrait suivre une préparation adéquate. Je vais lui parler et lui dire tout ce que je sais sur sa destination. J'aimerais bien, oui. Alors on dirait que nous avons tous nos ordres. Nous nous reverrons. On peut pas avoir le nom de la planète. Déçu. Vous revoilà en un seul morceau. Je suppose que tout s'est bien passé avec les fournisseurs. C'est exact. Si j'ai bien compris, vous m'avez recommandé pour cette mission. J'apprécie cette chance de contribuer à la traque de Mandalore. Nous avons besoin de quelqu'un sur place qui connaisse bien les méthodes mandaloriennes. Vous avez eu raison de m'envoyer. Ceux qui fournissent cet accol sont paranoïaques et ont tendance à disparaître. C'est seulement parce que je suis mandalorienne que j'ai pu m'approcher aussi près. Les fournisseurs craignent la colère d'État s'ils la déçoivent, ou pire, s'ils révèlent certains de ses secrets. Elle fait très attention. Sa réputation impitoyable et sa quantité colossale de crédits récupérés lors de ses pillages signifient que ses secrets sont rarement divulgués. Les fournisseurs potentiels de mon rapport sont disséminés dans toute la galaxie. Si on les trouve, on lui fait mal. Vous avez bien travaillé. Voilà qui nous met dans une bien meilleure position. Les compliments sont inutiles. Je n'ai fait que mon devoir. Tant que Mandalore n'aura pas fait appel à moi pour éliminer ses ennemis, je continuerai ce travail. Mais je devrais retourner aider vos analystes à éplucher mon rapport. Ils sont sûrement impatients de voir les détails avec vous. Tenez-moi au courant. Et après... Je ne connais pas le reste de l'histoire.
Donc on va se poser là pour le moment. J'espère que le live vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi, puis on fera la suite certainement demain. Bonne journée à vous.